salut, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la peinture fluide. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo sur ce thème, j'avais utilisé de l'isicryl et du lubrifiant en silicone. À l'utilisation, c'était très joli, les couleurs étaient superbes. Par contre, au séchage, j'ai eu beaucoup de craquelures, surtout au niveau du blanc qui était assez épais, je pense. Et ça avait beaucoup craquelé. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve du médium de lissage, ce qui m'évitera d'avoir toutes ces craquelures. Et ta-da-da ! J'ai réussi à trouver le médium de lissage. Voilà, donc il faut savoir, j'ai fait plusieurs magasins qui étaient en rupture. Et là, je l'ai trouvé, c'était quoi? C'était Monsieur Bricolage, ils ont un rayon de beaux-arts, beaux-arts créatifs, et ils en avaient. Alors par contre, c'est vrai que c'est pas donné, je trouve que ça 14-15 euros, je ne me rappelle plus exactement du prix. Mais je l'ai, donc normalement c'est censé éviter justement les craquelures. Donc on va essayer. Donc je laisse tomber les icryl qui doivent servir à rien. Et je vais réutiliser par contre le lubrifiant en silicone. Donc normalement c'est du silicone pur, hein, mais je n'en ai pas trouvé. Donc on va l'essayer avec ça. Bah écoutez, je vais faire mes petits mélanges. After all that we've been through, I think it's fair from me to you. Watch it burn as we soar away. After all is said and done, and I know I am the one. I have waited here forever. Carry the world upon your shoulders. For I'm not the only one.
Le résultat du tableau une fois sec. Donc là je suis vraiment ravie, c'est magnifique parce qu'il n'y a aucune irrégularité, il n'y a pas de craquelure, pas de fissure, la peinture, enfin c'est vraiment net, les motifs sont nets, c'est vraiment super joli. Donc vraiment l'ingrédient nécessaire pour faire l'acrylique pouring comme ça, enfin la peinture fluide, c'est vraiment le médium de lissage. Là c'est vrai qu'il y a, je pense pas qu'il y ait d'équivalent qui puisse rendre comme ça la peinture si nette en fait. Hein. Donc voilà, je suis super contente. Je vais le vernir avec un vernis brillant, avec un aspect un petit peu résine. Donc je pense que ça rendra encore beaucoup plus joli. Voilà, bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.